Bon les gars, mission, chercher du beurre d'étourage aujourd'hui. Encore avec une dégaine approximative. Quand je parle de dégaine approximative, c'est ça. Bon, c'est bon, on a chargé. On va tester le beurre président et le jus du Montaigu. On va tester ça. Bon les amis, aujourd'hui, lancement d'un tout nouveau concept. Je pense que ça peut vous plaire. Bon les gars, je pense que je suis aussi content que vous. Je suis en tenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence aujourd'hui tard. Et on arrive avec du très lourd parce que c'est une première vidéo qui annonce le lancement d'une série. En tout cas là, il y a le premier et il y en aura d'autres. Premier épisode de J'irai faire des croissants chez vous. Donc c'est le titre. J'irai faire des croissants chez vous. Ça veut dire, comme dans le titre, que je vais venir chez vous faire des croissants. Je pense que c'est assez parlant. Retour de Captain Obvious. Et vous inquiétez pas, ce sera autant des particuliers que des professionnels. Aujourd'hui, c'est par exemple un professionnel qui m'a appelé, mais c'est pas dans le cadre de son entreprise, c'est personnellement. Il s'est dit, bah, vas-y, je vais me faire un petit plaisir. Je vais appeler El Pisto et je vais lui demander, est-ce que tu peux m'apprendre ton savoir, tu vois? J'ai déjà fait des tutos là sur Insta par exemple, mon tuto qui est sorti il n'y a pas longtemps, pour que vous puissiez refaire ça chez vous. Mais c'est toujours mieux, toujours plus parlant, d'avoir bah, la personne en vrai, quoi. Donc je pense que ça peut être intéressant. Je verrai comment je fais pour recruter, on va dire, les. J'allais dire candidats, mais c'est pas un concours. les personnes chez qui je vais aller. Et ça pourrait être très intéressant. Bon, donc cette série, ça va être aussi beaucoup de rencontres, je pense. Parce que bon, ça va être les principales, quand même, de la chose. Là, je suis avec Vincent. Donc, tu peux Bonjour, te présenter enchanté. vite fait? Vincent, je travaille à la Maison Leur Domaine en pâtisserie. Je suis responsable de la boutique de Maison Leur Domaine Lavaret. Et j'ai fait appel à Maxence pour m'améliorer sur la viennoiserie. J'adore la viennoiserie et j'ai vraiment envie d'évoluer sur ce domaine. Je me dis, bon, moi, j'aimerais bien apprendre. J'ai du matos professionnel. Je vous avoue, ça m'a quand même percuté. Bon, en vrai, pour les gens qui seront sélectionnés, s'il vous plaît, achetez un petit laminoir avant que j'arrive. Franchement, ça me ferait grave plaisir. Mais bon, sinon, on fera au rouleau. Tu vois, là, t'as le beurre et la pâte qui ont à peu près la même texture. Voilà. Et comme dans le tuto, hop. Et si c'est pas assez, tu vois, s'il te manque un peu, tu vois, vu que la pâte, elle a bien reposé, elle est quand même bien extensible. Malgré qu'au début, elle avait un peu de force. Donc là, tu vois, on est bien. Là, on va mettre un petit coup de rouleau. On scelle, hop, et c'est reparti. Donc là, j'ai fait le premier bâton. Donc là, il est sur le deuxième et il fera le troisième aussi. Donc ça que je fais généralement. J'en fais un, je le montre et après je laisse faire. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ok, donc là c'est parti pour le deuxième tour simple qui a été fait pour l'instant.
toujours bien fin. Comme ça, on aura des feuillets très fins. Et malgré que ce soit juste deux tours simples, on aura vraiment pas mal de feuillets et pas quelque chose de mastoc en bouche. Bah, j'ai pas d'épaisseur précise, c'est vraiment on fait ça à l'œil, pas trop non plus. Et là, vu qu'on est sur un petit bâton, il tape forcément plus que si on était sur un. Donc là, je suis bien. Hop. Bon alors là, on enlève les extrémités, c'est toujours pas obligé, c'est au bon vouloir de chacun. Moi j'aime bien faire parce que ça fait toujours plus précis, puis j'ai le temps. Donc voilà. Ouais. Bah là en gros on voit, là il y a une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre. Donc ça fait trois couches de beurre, trois couches de pâte. Et donc il y aura le double quand on aura fait le deuxième tour simple. Hop, on refait un pli, un autre pli, et c'est une affaire qui roule. Je les ai laissés un peu trop longtemps au congèle. Je fais des glaçons. Aujourd'hui, ça tente des trucs. Bon, c'est un peu misé sur les croissants aussi. On a fait des petites marbrures, striures, lignes, comme vous voulez. On va voir ce que ça va donner, hein. C'était pas prévu comme ça, mais on s'est chopé pour faire une petite variante. Des pains au chocolat, donc finalement ils sont un peu toujours pas striés, mais on a bien aimé les lignes aujourd'hui, un peu l'esprit breton. Je crois que ça rend pas mal. En tout cas, j'espère que ce concept va vous plaire et vous m'en direz des nouvelles quand même. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit j'aime si vous avez envie et de partager si vraiment vous trouvez que ça vaut le coup. Dernière étape, la cuisson. On va voir si on a été bon ou si on a été mauvais. Vous n'avez pas l'odeur, mais incroyable. Et vous avez envie. C'est sorti du four là. Franchement, ça vaut le coup. Je sais que vous avez envie de voir. Je sais. Je ne fais pas languir plus longtemps. Regardez-moi cette petite merveille. Alors que je vous explique, en fait on n'avait pas trop le temps de laisser vraiment pousser au maximum les produits, donc là on peut voir que ça manque un petit peu,
enfin surtout sur les croissants c'est plus représentatif, mais en soi le feuilletage était très bien, la technique il l'a très bien apprise et c'est l'essentiel je pense, mais bon on est toujours dans les détails donc je préfère préciser quand même. Dernière prod, franchement ça sort pas mal, plus brillant tu mets. Dernier mot ça. Ça va marcher, c'était vraiment un bon stage, on a pu voir plusieurs techniques, tout ça, même en un minimum de temps, ça a été vraiment un bon stage, j'en apprends plus, maintenant je vais m'éclater avec ces nouvelles techniques qui ont été découvertes. Bon, c'est le mot de la fin, ça s'est bien passé, petit manque de pouce faute de temps, parce que c'est quand même très très long d'attendre 3 heures, voire 4, voire 5, surtout qu'il fait froid en ce moment, mais c'était cool, premier épisode, sûrement pas le dernier, et... On se retrouve la prochaine fois. Salut. Oui, je sais. Encore une musique triste. Je ferai gaffe la prochaine fois, promis.